Jeudi après-midi avec Looping caché là derrière les arbres. Premier trou pour Looping et pour moi aussi dans ce trou. Un éclat d'obus. Voilà. Looping, t'as eu quoi? Papier alu. Papier alu. Toutes. À toutes. Excellent, ouais, j'en ai trouvé un noir dans une de mes vidéos. Le marqueur de compète. Oh yes, Looping, quelle marque comptait comme le mien? Onyx marqueur. Onyx marqueur, mais yes, quoi. Je suis sûr qu'il marche encore. Regarde. Ouais, Il pas fonctionne mal. encore. Pour l'école. Quel Là, ouais, j'ai eu une cible, moi, juste pendant que Looping avait le bon son. Alors dans ce trou, pas très très profond. Alors ça va l'air assez basique, mais en frottant, ben, il y a des petits motifs qui apparaissent. Je suis accroché. Des petits motifs qui apparaissent dessus, à voir. Et on dirait plus le truc d'un couteau en haut. Là derrière, c'est il y a encore le cerclage là rond. Et ça devait longer le début du couteau. Voilà, rigolo. À On voir. arrive sur une sorte de surplomb en triangle. Et on voit la forêt en contrebas. C'est super beau. Je pense qu'on va descendre là le long. Et aller faire là autour des gros arbres. Ouais, Zarbi l'endroit quoi. Et ici, moi je suis juste là, je suis arrivé. Et j'ai un bon son là quelque part. Je sais plus où. Entre 78 et 80. On va regarder. Au pied d'une grosse pierre. Bon, j'ai pas eu de racine. Bon, pas mal de douille dans le secteur. On va voir si c'est sorti. Ouais, le son est toujours à 78, 79. Et je la vois. C'est une cartouche. Crevette. Ouais, il y a du militaria ici. Je sais pas quelle sorte. Mozart ou je sais pas. Voilà. Le son à 86. Je crois que c'était dans ce secteur. Il y a des racines par là. Je vais voir si c'est là-dedans. Moi, je suis en pente, quoi. Ça sonne toujours à 88, mais... Oh, ça sent la cartouche! Sortie. Non. Ça doit être dehors là quelque part. Mais je le vois, je crois. Une ogive écrabouillée. Voilà, militaria encore. Pour. Allez. Cloche, on va nous la montrer. Moi, dans ce trou ici, au pied d'un arbre, cette sorte de pointe bizarre. Alors, elle a quand même des petits reliefs. Ça a pas l'air d'être du militaria. Voilà, si vous avez une idée. Il y a les vaches qui nous appellent. Ah ouais, pas mal quand même. Puis toute jeune, hein. Ah ouais, jolie. Tu veux une ficelle pour le collier? Ouais, tu l'accroches pas après. Allez, à toutes vers là en bas. Il y a un son là. Il a déjà évacué la grosse pierre là-bas. Attention. Moi j'ai un son là. On va d'avoir Looping en numéro 1.
Ah, il est déjà dessus. Moi je dis. Non, t'as dit un bon son, éclat d'obus. Non, je sais pas si. J'ai fait 5 ogives là en descendant. Ogives, ah bah voilà, encore une. Tradi. À plus. De vieux chemins, une sorte de couloir entre une falaise là-haut, enfin une falaise, un rocher. Et de ce côté, un ravin qui descend, là. Enfin, ou un chemin. Assez étrange l'ambiance. Looping près de la voiture, bon, moi j'ai rien fait que des ogives. Tu l'as où la boucle? Attends, je vais la mater. Il a trouvé une boucle de fou. Ah, si quelqu'un peut l'identifier, ce serait bien aussi. Ouais, misère, misère ce coin quoi. Par contre, toi, ça valait le coup. Oh. Magnifique dans ce sens. Je suis sûr que Tresta Bernay va me dire ce que c'est. La fleur de lys. Terrible. Tiens, prends-la moi, ça me fait pas la mise au point. Ouais, excellent. Cool. Ouais. Bon. Sortie Militaria. On est garé là en bas. Il y a Manu là-bas qui descend détecté en contrebas. Et Julien qui est parti là derrière. Alors le Militaria, c'est pas trop mon truc, mais je vais suivre leur passion à eux. Allez, c'est parti ici. Il y a un sacré dénivelé quoi. En surface comme elle est là, une cartouche de Lebel. Enfin je crois, hein, vu la forme. L'ogive complète. Alors j'y connais rien du tout. Deuxième guerre. Allez, je continue, ça va être sport. La cartouche était là, en surface. Et juste là, un trou, une autre Lebel. Là, j'en vois une là qui apparaît ici, là. Le 2. On va regarder s'il y a autre chose. Moi, je crois pas. Bon. Ah bah non, j'avais pas le détecteur allumé. Ah, il y en a encore là. On va voir si c'est aussi. Voilà, troisième. On va voir s'il y en a encore. Encore. Ah oui, c'est. Là, je la vois. 1, 2, 4. C'est là, 5. C'est un peu déliré, quoi. Alors, je crois que c'est bon. Je vais repasser un coup de poil. Je fais le ménage un peu. Voilà les 5. On va regarder. Ce 74, 76, un peu plus bas. Je dirais que c'en est encore une. Ouais, ça doit être là. Ouais, je la sens. Voilà, sixième. Bon, je vais couper là, ça suffit. S'il y en a encore, je vous le dirai. La prochaine, 6. Cartouche de Lebel. Et de plus, les 7 étaient là. Ou les 8. Ici, en surface, une chopine. Une chopine. Ou un, je sais pas, un vase, un pot. Ça doit être de la poterie de Betzdorf, vu la couleur bleue, là. Allez, je remène et on continue. J'ai escaladé, là, cette sorte de butte, là. Et là, dans la montée... Je l'ai mis là, une sorte de sangle avec une boucle. Bon, il y a deux petits rivets. Et la boucle avec l'ardillon, bon, ça n'a pas l'air vieux, mais ça doit être du Militaria. C'est en bon état encore, pas mal du tout, quoi. Bon, je vais voir sur cette butte là-haut. A plus. Bon, j'espère que je vais pas me paumer, les autres, ils sont, je sais pas. Un par là et l'autre là en bas.
À plus. De cuir là, avec la boucle était là devant la butte, je fais une vingtaine de mètres et là on voit apparaître, alors ce serait trop beau, c'est sans doute pas du blanc. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, il y a un numéro dessus, on voit les lettres G A. Avec ça, un truc comme ça avec un numéro, alors je m'y connais pas, je sais pas, faudrait que je demande à Manu qui s'y connaît en militaria. Je sais pas si c'est une plaque de soldat, je pense pas. Plutôt un truc de reconnaissance, de matériel ou autre. Sympa, j'aime bien, cool le militaria pour l'instant. Allez, je monte vers là. Un quart d'heure que je longe par là-haut. Là, il y a une grande butte, je suis redescendu, c'est un peu plus dégagé que la forêt de sapins. Et là j'ai une cible, bon j'ai vu que ça sonnait, j'ai découvert un tuyau, enfin un tube tout rouillé. Je sais pas du tout ce que c'est. On va sortir. Oh my god, c'est long. C'est long, j'ai eu du mal à le soulever avec la pelle. Oh, ça mesure, 1m20 ou 30, 1m20. Je sais pas si c'est du militaria ou un tuyau de construction ou de, je sais pas moi. Au bout, je vais voir au bout comment c'est. Ouais, je pourrais pas dire, faudra que je le montre à Manu et Looping. Voilà, ça me paraît long pour un canon. Ok. À tout à l'heure. J'ai croisé des trous d'hommes là et là. Bon, j'en ai fait les deux devant. Mais il y avait plein de boîtes de conserve et de cochonneries, donc j'ai laissé tomber. Et là, au pied de cet arbre, le numéro complémentaire est le... Le 45. Bon, il a l'air vieux ce panneau. Voilà. J'aime bien, je vais l'emmener. Le panneau numéro 45 est juste là devant ce trou de guerre là. Pour ma première trouvaille de militaria, regardez-moi ça. Mais je flippe un peu d'y toucher. Elle est là. Je sais pas trop quoi faire. Une grenade. Grenade, putain. Oh, terrible quoi. Bon, il y a la goupille. Oh, je m'y connais pas du tout. Je crois que je vais la laisser en attendant les autres. Je flippe un peu de la transporter. Oh, bon, je la laisse là. Voilà. Bon, je suis content, mais en même temps, ça me fait un peu flipper, quoi. Je vais essayer de rejoindre les autres là-haut et revenir la prendre. Si je sais pas s'il faut que je la transporte, quoi. À plus. Là, enfin, elle est toujours là. Je l'ai mis dans mon sac à dos. Là, je flippe un peu de la transporter, quoi. C'est pas très cool. Donc, je sais pas. Je tourne là autour en attendant de décider. Et là dans ce trou, bon, je suis revenu vers les trous de guerre qui sont, enfin les trous d'hommes qui sont là. Et là dans ce trou, c'est passé où, hein, j'ai regardé déjà, c'est un bouton, il est là caché. Là. Et il y a un joli dessin dessus. Alors ça m'a l'air quand même bien vieux, hein. Je sais pas si c'est des lettres ou des... Des lettres. Ça semble assez léger en alu ou je sais pas, c'est très léger. La tâche est pétée derrière. Mais le motif est sympa, si vous avez une idée, je veux bien savoir. Voilà, je continue autour de mon sac à dos avec la bombe à retardement. Non. Cet endroit bizarre quoi.
Là-bas, vous voyez une borne en grès. Il y a comme des murs là tout du long, ça descend là vers ce ravin quoi, c'est Zarbi ici quoi. Ma grenade est toujours là-haut dans le sac à dos. Putain, non. Et je détecte un peu là autour, je vais remonter, après je vais l'emmener quoi, pas le choix. Bon, je vais faire le long du muret là. Cet arbre là, j'ai un son. 90, 93. Alors, si c'est pas l'appel. Plutôt entre 64 et 70 instables. Ok, je le sors et je vous reprends. Là. Ogive de je sais pas quoi. À toutes. Pour l'ogive, je suis descendu là autour de cet arbre. J'ai fait une ogive de nouveau. Là, j'ai vu un pot de chambre. Un joli pot de chambre. Ça pourrait être un casque pour looping, ça. Casque deuxième guerre. Voilà. Et là-bas, dans le trou que je viens de faire, bon, j'ai pas encore fait le long du muret là. Dans le trou que je viens de faire là, oui, elle est là-bas. Une monnaie, alors au format, je dirais tout de suite, Pfennig. Ouh. Oui, je crois pas. Ah si, un Pfennig bien bouffé. On voit le 1 là qui apparaît. Elle est orange foncé quoi. Plus rien dessus. Ok, première monnaie. Bon, je pense toujours à ma grenade là-bas. Allez, je continue. Ma plus grosse trouvaille en détection. Total militaria aujourd'hui. Énorme. Ça ferait un bon tonneau pour un barbecue. Ou en déco quoi, sympa. Un nid de guêpe là. Ouais, j'aime bien le look de ce tonneau, il est percé là d'un côté. Dommage que ça traîne dans la nature quoi. Voilà, total. Et là, ben, vous voyez maintenant un peu mieux le chemin là de pierre, enfin la délimitation. Là, il y a une borne, une vieille borne. Je vais aller la voir. Je pense que là, c'est une vieille rivière qui doit descendre, mais ça doit aussi être un chemin. Alors, je sais pas où il passait, s'il passait là en bas, le chemin, ou juste au-dessus. Là, c'est encombré total. Bon, c'est magique ici. Et là, la vieille borne. Non, il y a des gravures dessus, mais 87. Ok, je continue dans ce coin. Borne est juste là. Et là, en surface, par terre, une thermos. Cool, j'en avais pas. À toutes. Le long du chemin de pierre. Et je creuse un peu sur tout, les ferreux aussi, quoi. Et j'ai trouvé ça. Je pense que c'est un truc de vélo là, un côté de vélo qui se clipse sur la roue à rayon. Je pense pas que ce soit du militaria. Voilà, trouvaille. À la voiture, les autres étaient déjà arrivés. Et on va faire le bilan. Manu est en train de nettoyer là la sorte de rondelle avec le. C'est les clébards, les chiens de chasse. Ouais, chiens de chasse, pas cool. Plaque de chien de chasse. Bon. Bah, écoute, et là les trouvailles, alors looping, sympa, il a trouvé un embout de masque à gaz, c'est la ça cartouche, ouais, enfin, la partie basse du masque à gaz. Le nez. Joli avec ça, c'est le joint qui va c'est, avec. Non, ça c'est l'œil. Ça, c'est l'œil. Ok. Ouais. Looping, c'est toi aussi. Hein. Looping, une Pfennig. Et là, un gros module. Moi, j'aurais bien dit une romaine. Tu veux pas. On va la gratter, à voir. Ah, ta petite brosse. Et moi, bah, j'ai fait toute la boursée d'huile belle là que vous avez vu. Enfin, vous avez vu 6 et 2 que j'ai déterré par la suite. 2 Moser,
La boucle en métal, un bitonneau là, un bitonneau, une attache. Des ogives, une ogive, du plomb, une là, un pfennig, un éclat d'obus, un bout, le joli bouton, la plaque de chien. Et bien sûr la grenade là que Manu a un peu nettoyée. Oh là là, putain, je suis arrivé sain et sauf. MK2, premier modèle, grenade deuxième américaine. Guerre. Ouais. Deuxième guerre. Deuxième guerre, ouais. Pouah, chance du débutant, premier, quoi. Premier modèle. Vas-y, dégoupille et lance. Allez, hop. Là, okay. T'as une douille de 20 mm allemand, flac anti-aérien. Ouah, c'est lourd. Et puis, un cul de obus de mortier allemand, quoi. Oh, magnifique, ouais, pareil. C'est ça, magnifique. Voilà, c'est une position bord de route. Il devait y avoir un Alftrak ou un truc comme ça en position, avec une défense. Mitrailleuse, quoi. Défense de route. Bon, je vais aller limer. C'est en grattant à mort. C'est dommage. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue un peu? Sacrément si, fort, on dirait, hein. Tu vois, on dirait qu'il y a quand même quelque chose sous la croûte, là. C'est pour ça qu'il faut la nettoyer, quoi. Il faut effectivement la nettoyer correct, quoi. Ouais. Bon, je coupe, je reprends après. Militaria. Je vais te la poncer, mon vieux, tu vois. Allez, à tout à l'heure. Looping fait. A gratté la pièce. Et c'est un Sester, c'est quoi, on voit enfin, le... Sester, je sais pas, mais c'est une Roro. Wow. C'est une Roro, ouais. Dommage pour l'état, mais là, on voit quand même bien super bien les détails du visage, quoi. Ouais. Excellent. Bon, on va encore faire une heure. Allez, c'est parti. On arrive sur le nouvel endroit. On va aller dans cette forêt. La blanche. Ouais, bah ouais. Forcément, il doit y avoir des trucs un peu intéressants. Ah ouais, bon ça. Heureusement que c'est pas trempé parce que là on serait posé dans le pré comme deux trois cons. Hein. Ah bah ouais, bon là tu sortais plus. Vous avez vu avant dans la voiture, il y a des tranchées un peu partout. Et là au pied de cet arbre, j'ai trouvé ce truc en fer. Je sais pas ce que c'est, il y a des pas de vis là-dessus. Et un truc strié là. Voilà. À toutes. Là, ça serpente, là, ça remonte partout, partout. Et là, dans ce trou, j'ai trouvé cette sorte de godet, là, je sais pas. Bon, au fond, on voit une double embouchure. Là, je sais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, à plus. Pardon. J'ai un peu galéré avec les racines. Et je cherche où j'ai vu. Là. Là, on dirait une monnaie. Ah putain, c'est un bouton. Un bouton. Ça ressemblait grave à une monnaie. Je vais le frotter un peu. Un bouton grand module. Bon, je vois rien dessus, en plus il fait sombre dans la forêt. Il y a un léger quelque chose. Je me demande si c'est pas l'aigle allemand. À confirmer, peut-être il y aura un petit. On voit un petit peu quelque chose. Ok, à plus. Le Moser. Et là, presque en surface, une balle entière avec des sortes de petites stries dedans. Je sais pas ce que c'est, un truc perforant ou incendiaire, aucune idée. Je suis une buse en militaria. Voilà, rigolo. In the pocket. À toute, j'ai trouvé le gobelet de Dora l'exploratrice. Encore en bon état. Cool, j'emmène. Et je continue vers là, c'est un peu plus dégagé. Dans la forêt de sapins. Ouais. J'ai trouvé ce bout de métal avec des ailettes. Une sorte d'ailettes, aucune idée de ce que ça peut être. Voilà. Un rail de balle. Ou un clips militaire, je sais pas comment on appelle ça. Voilà.
Next. Là, j'ai trouvé une lame. Alors, je sais pas. Comme toujours, ça doit être Militaria, mais je sais pas de quelle arme, c'est un couteau ou quoi. Voilà, à identifier. À toutes. Face à un tuyau. Voilà, je sais toujours pas ce que c'est. Il y a cette attache bizarre au trou. Là, il y a trois perforations. Une accroche là. Voilà, bon, ça pourrait être un canon de quelque chose. Je sais pas trop. Vu le truc là au-dessus, ça. Peut-être un canon de fusil, je sais pas du tout. Je sais pas, va vérifier. L'âme de chargeur, voilà. Allemande. Là, le bouchon que je vous ai montré. Là, toutes les douilles que j'ai faites là de Moser. Un paquet partout, une lame de couteau que j'ai pas filmé. Ça, Manu, tu m'as dit, c'est quoi la strier? Balle de. La strier, c'est une balle de. Une balle incendiaire et elle est striée parce que pour la reconnaître la nuit. Ok, balle incendiaire, balle d'entraînement là, des morceaux d'obus, de la visserie, une noisette pour looping. Voilà, que des cartouches quoi. Que des cartouches, des ogives. Pas top. Allez, à plus.